Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le sixième épisode de Peak All Blacks saison 2. Alors la dernière fois, ça allait bien mieux, on était en galerie, je vous avais trouvé laissé sur un petit coup de chance avec plein de ressources. On était en galerie, je cherchais des ressources, du diamant, tout ça, et je galère un petit peu moins que d'habitude. Hein, c'est le cas de le dire, je flippe moins, je gueule moins, je rage moins, voilà, tout moins. Je me suis fighté contre quelques petites bestioles un petit peu avant, mais ça allait très bien, ça allait très bien. On avait fait un peu de construction. Et là, comme d'habitude, ce que je cherche, c'est le diamant. Hein. C'est... Oula, pourquoi j'ai pris un screen? C'est pas ça que je voulais faire. C'est le diamant, mais le truc, c'est que je trouve pas de grotte. C'est de continuer un petit peu, mais bon, si je trouve pas de grotte, va falloir que je remonte. Et que j'ai pas envie de remonter, en fait. Oh! Alors là, c'est magnifique. Oh et mon dieu, en plus il y en a trois. Allez, un petit quatrième, allez. Ah, oh, c'est juste trois. Oh zut, bon. Bon, au moins on a du diamant, c'est déjà pas mal. Honnêtement, je suis déjà super content, mais vraiment. Allez, diamant. Mais je suis con, il y en avait 4. Quel abruti. Ah mais je suis plein. Un truc qui ne sert à rien. De la dirt. Diamonds. Ça y est. Diamant. 4 diamants. Ah c'est génial ça. Alors par contre je crois que j'ai entendu quelque chose. Je crois que j'entends une grotte. Hein. J'entends une grotte. Vous l'entendez peut-être pas. Je m'en excuse mais je crois que j'entends un squelette. Il est pas loin. Franchement pas loin. 4 diamants, ça c'est génial. C'est absolument magnifique. Maintenant, si je pouvais avoir un petit peu de fer, un petit peu de tout, en fait, ça serait génial. Alors là, j'entends de la lave qui est à droite. Droite toute. Je crois que je suis à la verticale du squelette, mais je suis pas sûr. Ok, plus de pioche. On change. Je suis pas loin, hein. Je suis vraiment pas loin. Par contre, j'arrive à court de torches. Hop. On va faire un petit paquet de torches encore. Voilà. Ah, je pense que vous l'avez entendu là. Je pense que vous l'avez entendu. Il est juste à côté. Par contre, je crois que je suis remonté à la zone 15. En plus, il y a le bruit qui flippe là. Hop. Quel idiot. Quel idiot fini. J'étais en plein dans la grotte. Alors. Tiens, des plantouilles. Ah ouais. Non, attendez, on va éviter de se prendre quelque chose sur la figure. Hein. Bah, je suis déjà passé par là. Ah ouais. Attendez, je me cache un peu. Je suis déjà passé par ici. C'était cet endroit-là. Bah attendez. Aïe. Mais t'as pas honte. Voilà. Ah ouais, c'était là. Là, je me souviens maintenant, il y avait mon chez moi et là je m'étais fait prendre par un mini zombie. Ah ouais, mais en fait j'étais à côté. Oh. Allez, viens là. Nickel. Je gère de mieux en mieux. Tout va bien. Oh. Bah, pff, le poulet que j'ai pris pour un squelette. Par contre, ça sert.
un mauvais coup. On va essayer d'éviter de par là. Ah, du fer. C'est une bonne nouvelle. Alors là, j'aimerais bien que ça se finisse en cul-de-sac assez rapido. Ah bah voilà, suffit de demander. Il suffit de demander. Nickel, en plus je suis niveau 22. Alors ce qu'il me faudrait là encore, c'est un petit peu de diamant. Histoire que je puisse me faire... Pendant encore un peu. Je peux faire un... Bah, épée, pioche. Plus après table d'enchant. Hein. Après table d'enchant, hein, ça serait... Tout ça serait génial, mais du coup, pour... La totalité, l'épée en priorité de toute façon. Hein. L'épée en priorité, pour la totalité, il me faudrait, attendez, un petit calcul. Il me faut 2 diamants pour la table d'enchant, plus 3 pour la pioche, donc ça fait 5 avec l'épée. Oh, 6 squelettes. Aïe, oh, ouais. Et avec l'épée, ça en fait 7. Évidemment, j'ai eu 4 diamants, pas 5. Avec lesquels j'aurais pu me faire au moins les deux trucs d'un coup. Sûr, fallait pas trop demander non plus. On entend de la lave pas loin. Ah, je flippe un peu. Oh merde! Ils peuvent tomber de là-haut. Vous savez quoi? Je crois qu'on va se carapater. Peuvent tomber de là-haut ou venir de là. On va se carapater, on va pouvoir monter de toute façon. Maintenant qu'on sait remonter, si je me souviens par où je suis venu, je crois que c'est par là. On va remonter, on va se poser, hein. On va prendre le temps, hein. Donc c'est par là d'où je viens, parce que j'ai pas mal de ressources. 18 iron ore et 11 en fer, en or. C'est pas mal. C'est pas mal, il y a en plus du diamant. J'aurais aimé tomber sur encore un peu plus de diamants, mais c'est un peu trop demandé, j'ai l'impression. Mais c'est déjà pas mal. Donc on va faire un petit, une moitié d'épisode pause, hein, je pense. Hein, je crois qu'on est déjà à la moitié, environ. Bah, quoi que tu fous là, toi? Tu m'as fait peur, en plus. Et une boule de slime. Oh, et deux. Ah, si, c'est pas génial, ça. Diamant, 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 ça c'est absolument awesome, comme disent les anglais. Enfin, les anglais, américains, voilà quoi. C'est absolument génial. Du coup, j'ai quelques petites merdouilles aussi, toc toc. Ça aussi, ah ben, tiens, j'ai déjà plus de place. J'ai déjà plus de place. Il y a quoi dehors? Pas de creeper sur la gueule. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, bah, il va falloir que j'aménage tout ça, moi. Hein. Il va falloir que j'aménage tout ça. Et ben, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va commencer par le faire. J'avais une pelle. Oui, j'avais une pelle. Est-ce qu'elle va me suffire pour faire tout mon parquet? Parce que j'ai un gros parquet, quand même. Je pense qu'elle va pas suffire. Non, elle ne va pas suffire. On va refaire une autre. On va refaire une autre, de toute façon. Hop, on va poser la torche. Ok, je suis déjà à court. Hop, ici il y aura la porte. Ouh, tu m'as fait peur la vache. Tu m'as fait peur la... Oula, la vache. Il me faut une porte, une porte, une porte, une porte. Toc, 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 toc. Porte. Il me faudrait une pelle aussi. Pelle, ça peut se faire assez rapidement. Hop. Hop, hop. Celle-là, je pense qu'elle va finir la... Elle va finir tout ce qu'il me faut. Voilà. Hop. Finissons-en.
D'ailleurs, je vais enlever ça. Hop, hop, faudra que je refasse une pioche en fer. Celle-là est pratiquement morte. Et ça sera déjà pas mal. Ensuite, je vais me faire mon parquet. Je sais pas en quoi je vais le faire. Je pense en bois, mais lequel? Je pense que c'est le bois d'ici que je vais utiliser, donc le spruce wood. Histoire d'être tranquillou. Vu que là, pour le coup, il y a du bois partout. Ah, il y a plus spruce wood. Transformé en spruce wood plank. Oh, et puis ça va avec la maison. Si c'est pas beau ça. Non, c'est pas là que je voulais la mettre. Toc toc. Ah, viré. Désolé. Je pense que vous avez entendu mon téléphone vibrer. Il faudrait que je décale. Quand je tourne, évitez de l'avoir à côté de mon ordinateur. Enfin. Donc, revenons à nos moutons. On va finir ce parquet. De toute façon, c'est aussi ça Minecraft. Hein. C'est aussi la construction. C'est pas forcément que de la baston et de l'exploration. J'essaie d'alterner un petit peu tout. Hein. Puis surtout, il faut que je détresse parce qu'il y a des passages où je stresse tellement. Eh, je vais pas avoir assez. Hein. Je vais pas avoir assez. Ok, j'ai pas assez. J'ai pas assez, j'ai pas assez. Et... Voilà. Donc, si j'ai pas assez, je vais aller en couper encore un peu. Hein. De toute façon, c'est pas les arbres qui manquent ici. Ça, c'est absolument pas écolo en plus. Je replante pas derrière moi. Faites pas ça avec des vrais arbres. Hein. Heureusement, vous imaginez si tous les joueurs de Minecraft ils avaient l'habitude de faire ça avec avec tous les arbres. Ils coupent un arbre sans rien replanter, il y aurait plus de bois sur Terre. Allez. Ça devrait aller. Hop. En plus, on a pile 64. Il va falloir que je me fasse des vitres aussi. Quelques vitres seraient pas superflues. Hop, hop, hop. Voilà. Ah bah il me reste les emplacements des torches. Bah, c'est bien sombre. Voilà, nickel. Vous avez vu? C'est super beau. Enfin, en fait, non, c'est pas très design du tout. C'est très sommaire, mais avec le temps, j'essaierai de l'améliorer. Promis. On fera un peu d'épisode construction, un petit peu d'épisode différent de d'habitude. Histoire de varier un peu les plaisirs, tout simplement. Il faudrait que je fasse cuire ce sable. D'ailleurs, j'allais en prendre encore un peu. Histoire d'en avoir suffisamment. Donc alors attendez, je vais essayer de calculer pour ne pas en prendre trop. J'en ai déjà 12. Il en faut 8. 8 avec. Non, il en faut 6. Il en faut 6, avec 6 on fait 16 vitres. Il en faut combien là? Il en faut environ. Bon, il en faut une vingtaine. Donc il en faudrait 4 fois 6. 24. Je pense que 24 ça devrait aller. Oh bah voilà. Voilà, 24. 24 devrait être suffisant. Mais par contre j'ai toujours ça qui tourne. Je vais me faire un autre four. Tout simplement, je vais me faire un autre four. Four, four, four que je vais poser ici. Allez, cuis-moi tout ça. T'as peut-être pas besoin d'autant de charcoal, de colle, pardon. Donc, iron ingot, on a déjà 14. 14, les gars. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, comment je vais aménager tout ça? Il va me falloir une cuisine avec table de craft, tout ça. Je pense. Où est-ce que je vais la mettre? Attendez, une torche. Je vais essayer de me faire une mezzanine aussi. Une mezzanine, je pense que je vais la mettre là. Tout simplement. Ici, je vais faire un truc un peu en hauteur. Vu que là, en fait, il n'y a pas d'ouverture. Ici, je pense que je vais faire un truc en hauteur. Partir de là jusqu'à ici. Ouais, un petit carré. Attendez, on va même le faire maintenant. Voilà. On va commencer le design tout de suite. Jusqu'à où? Attendez, est-ce que c'est au bon... Non, c'est pas au bon étage. Voilà. Bon, je le mets pas au bon endroit.
Ça va pour le faire. Ça va pas le faire. Voilà. Ça c'est bien. Voilà, donc on va le remplir. Je pense qu'on va poser mon lit là-haut. Oh, il fait nuit. Il fait nuit, il fait nuit. On va peut-être rentrer un petit peu. Et puis on sait. C'est pas encore la nuit en fait. Donc il y a le verre qui cuit. Ah bah tiens, voilà, c'est la nuit. Voilà. Donc le verre qui cuit, le verre qui cuit. Tiens, le fer aussi. Et le fer. L'or aussi. 16. Il doit y en avoir un deuxième, histoire d'être tranquille. Voilà. Non, c'est là. 32. Avec 32, je pense que ça devrait être bon pour faire un bon début. Voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'on... Ah non, 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 non. Pas que j'en gâche non plus. Je sais pas trop ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Je pense qu'on va commencer le musée. Au moins commencer les fondations, parce que j'aurais bien posé quelque chose en fait. La dernière saison, je m'étais fait poutrer avant d'avoir posé quoi que ce soit. Donc voilà, j'aimerais bien faire quelque chose dans cette saison avant de crever. Avant de crever bêtement, ce qui risque d'être le cas de toute façon. Hein. Je pense pas que je mourrais dans un fight épique ou un truc comme ça, mais plutôt dans un lac de lave, dans le nether ou enfermé dans un bloc, je le sens bien. Je pense que ça va être plutôt ça mon pire ennemi. Mais voilà, je vais shift bloquer. Alors, on va finir de poser quelques panneaux. Bon, je les ai pas atteints, hein. Je les ai pas atteints. Voilà. Ah bah je pense que les 16 dernières ne sont pas en surplus. Est-ce que ça va suffire, tiens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, 12. 12 et là, une. Oh, pile. Ah, presque pile. Pas tout à fait, mais c'était presque ça. Et la dernière, et on aura posé nos vitres, et du coup on pourra déménager. Ce qui est une très bonne nouvelle en fait. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà. Et on pourra déménager dans cet épisode. S'il me reste encore du temps. J'en sais rien du tout. On verra bien. Voilà. On sera tranquille en plus. Je vais la mettre dans la mezzanine. Voilà. J'ai même un poil de surplus. Donc, vous savez quoi? On va faire notre chez nous ici. On va faire deux fours, histoire d'être tranquille. Hop, 1 et 2. La table de craft ici. Il faudrait des échelles. Des échelles, des échelles, des échelles. Non. C'est pas comme ça. On va le faire correctement. Hein. On va faire n'importe quoi. Il faudrait juste 4 échelles. Évidemment, il m'en file 3, donc on va en faire 6. Il en fallait 4, ouais. Nickel. Nickel, nickel. On va pouvoir poser une torche. Peut poser une torche. Il va falloir que j'améliore l'éclairage quand même. On va chercher notre lit et on va le poser. Bon, par contre, je vais peut-être pas déménager le coffre à merde. Ça me sert un peu à rien de déménager ce coffre. Enfin, le coffre à merde. C'est pas franchement un coffre à merde parce que c'est quand même des trucs assez précieux en soi pour la saison, mais en même temps j'en ai pas forcément besoin là, maintenant tout de suite. Donc on va dire que c'est un petit peu un coffre à merde. Alors est-ce que je vais pas mourir en suffoquant? Dans le doute je vais le décaler quand même. Voilà. Ici ça devrait être un peu mieux, je devrais pas suffoquer là-dedans. Ça serait bête de mourir à la prochaine fois que je dors, ça serait un peu con. Alors, eh ben, hop, on va faire un coffre, ça peut être utile. Ah bah voilà, tiens, les 20 minutes sont passées. Où est-ce que je vais poser mon coffre?
Où est-ce que je vais poser ce coffre? Bon bah ici. Ici. Je vais ranger les ressources, certaines ressources. Des ressources pas forcément très utiles. Je vais virer la dirt, hein. Au moins un paquet de 64 en trop. Qu'est-ce que je peux poser d'autre? Je peux poser ça, 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 ça. Tout ce qui est pork, tout ça. Flèche, on va pouvoir poser. Ça on pourrait poser, ça on pourrait poser. Et puis le reste ça va. Hein, le... On va dire, voilà, on va essayer de surstocker. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Ok. Et eh ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. À commenter, à venir discuter avec moi sur Twitter. Vu que je suis sur ce réseau social mais pas sur Facebook. N'hésitez pas à le partager, à venir discuter juste sur les commentaires si vous avez envie. Poster des commentaires, etc. etc. Partager la vidéo, c'est le principal pour moi, et surtout si vous l'avez aimé. Et puis voilà. Et bien à la prochaine, salut à tous!